Voici donc maintenant la 10e et dernière semaine de ce MOOC, dans lequel nous allons effectivement synthétiser tout ce que nous avons appris tout au long de ces 10 semaines, ou 9 semaines plus exactement. Et donc je vais parler dans cette semaine à la fois de langage, pour vous donner quelques clés pour comprendre un peu les différents langages et les raisons de certains choix. On va voir le processus d'évaluation qui permet de passer d'un programme à sa valeur. Et vous avez aujourd'hui tous les éléments que vous avez pu acquérir dans ces 9 semaines pour comprendre effectivement ce code-là. Donc ce code-là fait environ 700 lignes, il fait environ 70 fonctions. Et vous verrez que la plupart des fonctions font de l'ordre de 5 à 6 lignes, les plus grosses faisant une quinzaine de lignes environ. Et tout ça, en fait, ne fait que d'utiliser tout ce qu'on a vu, des barrières d'abstraction, des récursions, etc., etc. Et enfin, nous terminerons, comme il se doit, par quelques conclusions.